retrouve exactement à la même place où je vous ai laissé dans mon dernier vlog. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog, allez le voir et vous allez comprendre dans quel mood je suis là maintenant. Je suis hyper en forme. Dans ma tête et dans mon cœur, hein. Pas dans mon corps, je pense que ça se voit. Non, ça se voit pas d'ailleurs. Non, on a dit qu'on arrêtait de se dénigrer. Je trouve que j'ai un visage très frais aujourd'hui. Je suis hyper contente de vous retrouver dans un nouveau vlog, même si ça fait bizarre parce que je viens de tourner une vidéo à l'instant et que j'ai l'impression que c'est la continuité, mais pas du tout. Donc comment allez-vous aujourd'hui, puisque je vous ai demandé la dernière fois, mais entre temps, il s'est peut-être passé des choses dans votre vie. Moi, il s'est rien passé, hein. Il s'est passé 5 minutes entre le moment où j'ai éteint ma caméra et je l'ai rallumée. Donc comment allez-vous? Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'il fait beau chez vous, même si le froid est en train d'arriver? Peut-être qu'il fait beau et froid. Ça, c'est agréable en France quand il fait crisp, comme on dit, quand il fait... Ouais, le fond de l'air est frais, mais en même temps, il y a un bleu perçant dans le ciel. Moi, j'adore ce temps-là. Pas trop trop le froid, je vous avouerai, là, j'en ai un petit peu marre. D'ailleurs, parlons météo. Parce qu'il y a encore pas longtemps, là où j'habite, il faisait au maximum dans la journée 13 et au minimum, il faisait genre 2. Et je n'en peux plus du froid, surtout dans cette maison qui n'est pas du tout isolée, on crève de froid en permanence. Et là, ça y est, les températures remontent, on arrive à des plus de 20 degrés, température minimum c'est plus autour de 6-7. C'est encore un peu froid pour moi, je vous avouerai. Mais plus tard là dans la semaine, puisqu'on est samedi aujourd'hui, mercredi prochain, il va faire 28 au plus chaud et 13 au plus froid. Donc 13 au plus froid. C'est un peu ce qu'on avait au plus chaud ces derniers temps, donc je suis ultra contente. Mon cœur d'été, de fille de l'été... Se réveille et se dit oh, j'ai bien dormi, alors qu'est-ce qu'on va faire cet été? Voilà, c'est, j'ai l'impression moi de revivre quand le printemps, l'été arrive, c'est mes saisons préférées. Avec tout ça vient aussi l'envie de se remettre en forme, alors rien à voir avec l'aspect maillot de bain, j'ai jamais compris ce truc. Moi, je sais pas, quand je prends du poids ou que je me sens pas bien dans mon corps, ça va jamais m'empêcher d'aller à la plage. Alors ça veut pas dire que je vais être à l'aise en maillot, mais ça va jamais m'empêcher en fait de me baigner, d'aller dans l'océan, de faire ce que j'ai envie de faire, ou même d'aller à la piscine, faire des longueurs, peu importe. Et pareil, le fait de vouloir mincir, perdre du poids n'a jamais pour moi été relié au fait d'être plus agréable à regarder en maillot de bain. Il n'y a même pas de lien en fait dans ma tête. Mais en fait ces derniers temps, ouais, sur Instagram surtout, j'ai l'impression on parlait de ça, du fait de perdre du poids, de se reprendre en main, de se remettre en bonne santé, parce que moi avec ce déménagement j'ai fait n'importe quoi, j'ai mangé n'importe quoi et il n'y a aucun problème avec ça, je veux dire je l'assume complet, je me suis laissée aller, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. On peut pas mettre de l'énergie dans tout à la fois et il y a parfois... Quand on est fatigué, qu'on a plein de trucs à faire, il faut choisir ses combats. Alors moi, l'alimentation, ça faisait clairement pas partie de mes combats. Mais ça y est, là, je commence à revoir envie de prendre les choses en main. Je suis pas encore décidée quand, comment, quoi. Mais quand ce sera le cas, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet si ça vous dit. Et on pourra commencer cette nouvelle ère ensemble. J'espère que vous me suivrez et qu'on se soutiendra surtout parce que c'est toujours plus facile à plusieurs. Pour l'instant, je suis pas encore prête et puis... J'ai encore beaucoup de trucs à la maison à manger. Oui, parce que bon, je sais que c'est une excuse de dire « Ah, mais il me reste trop de gâteaux dans le placard, je commencerai après. » Mais c'est un peu vrai. J'ai beaucoup, beaucoup envie de parler d'alimentation, de santé, de poids. Oui, bah ça fait partie de la santé. Je veux dire, moi là, je me trimballe 10 kilos en trop, voire 15. Et je veux dire, c'est pas une question d'esthétique. Faut arrêter de croire qu'à chaque fois qu'on veut maigrir, c'est pour être plus bonne. Non, non. Tous les goûts sont dans la nature. Hugo me trouve très belle comme ça. C'est juste, moi, je me sens gênée quand je me plie. Et que mon ventre me gêne tellement qu'il prend de la place. Enfin, bref, voilà, je me sens pas très à l'aise dans mes mouvements. On en reparlera. Allez, maintenant, tu te tais. Alors, un truc que j'avais très envie de vous montrer aujourd'hui, c'est tous les thés que je me suis achetés en France. On est arrivé ici, dans cette maison. On n'avait pas encore ouvert les thés, évidemment. En fait, quand on est rentré de France, c'est arrivé assez vite, le fait qu'on doive déménager. Et on avait très envie de goûter tous nos thés. Mais j'ai dit à Hugo, allons en finir quelques-uns d'abord, sinon on va gaspiller. Donc, on a fini 3 boîtes de thé. De nos anciens thés, et donc là maintenant ça y est, on va pouvoir commencer à taper dans les nouveaux, et j'avais très envie de vous les montrer parce que je sais que parmi vous il y en a aussi beaucoup qui adorent le thé autant que moi, peut-être presque, c'est pas sûr. Donc je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces thés, s'il y en a qui vous donnent envie, ou si vous en connaissez d'autres un peu dans la même lignée qui pourraient me plaire. Et comme ça peut-être que la prochaine fois que j'irai en France, de toute façon quand vous me donnez des recommandations souvent je les note, j'ai un petit carnet où je les note, et la prochaine fois que j'irai en France je regarderai ce carnet et je me dirai Machine, elle m'avait suggéré ça, je vais peut-être goûter. Je fais jamais de haul dans mes vlogs, enfin c'est extrêmement, extrêmement rare. Mais c'est que j'ai vraiment envie de vous montrer tous ces thés-là et que je me vois pas faire une vidéo classique juste là-dessus, genre bonjour, aujourd'hui je vous montre mes thés, au revoir, bonne journée. Non, je sais pas pourquoi, mais ça me viendrait pas à l'idée. Je préfère faire ça dans un vlog, je sais que certaines personnes n'aiment pas les hauls dans les vlogs. C'est pour ça que je le fais tout au début, comme ça vous pouvez... skipper. Tout d'abord, on s'est acheté beaucoup de thé au supermarché. Je sais pas pourquoi je vous montre le sac parce que ça n'a rien à voir avec le sac. Ça, c'était un meilleur ouvrier de France à Concarneau qui fait les meilleurs
comment s'appelle ce truc, Queen Amman du monde. Déjà que c'est ma pâtisserie entre guillemets, ma viennoiserie préférée. Je sais pas si c'est une viennoiserie. Ouais si quand même hein, c'est avec de la pâte feuilletée. Mais alors ceux-là, si vous habitez en Bretagne, allez manger les mini queenettes de chez George R. Nicol. Celles au caramel beurre salé, les mini là. Mangez ça pour moi s'il vous plaît les gars. Certes vous allez prendre 3 kilos mais vraiment, je suis sûre que je vais ressentir un peu du plaisir dans les ondes que vous allez m'envoyer, vraiment. Alors, un thé classique dont je vous ai parlé 1500 fois. C'est le thé Nuit Paisible de chez Jardin Bio, de chez Léa Nature. J'adore ce thé, il est hyper bon, il est tout simple et moi je trouve qu'il détend vraiment pour le soir. J'en ai goûté d'autres là de chez Pouka, qu'en ce moment c'est la marque qu'on teste à fond. Et franchement je suis souvent déçue de cette marque, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt au goût, au truc. Et en plus même je trouve que ça ne me fait pas l'effet que celui-là me fait. Celui-ci c'est une infusion. De toute façon moi, quand je dis que j'aime le thé, j'aime surtout les infusions en fait je crois. Ouais dedans il y a des trucs classiques de sommeil quoi. Tilleul, fleur d'oranger, marjolaine, mélisse. Il y a un arôme naturel de mandarine. Bon alors il est tout simple mais il est très bon. Je trouve qu'il sent bien la mandarine en fait, c'est ça que j'aime bien. Oh celui-là, il m'a tellement tenté. Est-ce que vous connaissez la marque Thé de la Pagode? Moi je connaissais pas du tout, je me rappelle plus si j'ai acheté ça en magasin bio ou au supermarché. Sachez que les thés, la plupart du temps, je vous montre après quelques exceptions, mais je les prends toujours bio. Parce que sinon j'ai l'impression que c'est une infusion de pesticides et que ça doit être encore pire pour la santé de prendre des pesticides aussi dilués dans l'eau chaude qui va encore plus rentrer dans notre corps. Je sais pas comment expliquer mais ça me dégoûte les thés non bio en fait. Sauf pour certains. On verra ça plus tard. Alors j'ai pris un petit thé blanc, fruit exotique, parce que je viens de La Réunion, je suis une fille des îles, tout ça, donc c'est un peu dans mes veines, le fruit de la passion, l'ananas, la banane, tout ça. Je suis une fille tout à fait exotique, donc je veux dire, c'est que normal que je boive du thé exotique, allô. Si vous avez envie de me faire bouffer mon canard vivant entier, je peux comprendre, sincèrement. Donc celui-là c'est un thé de la Pagode, un thé blanc, fruit exotique. Je l'ai déjà dit mais bon, je sais même pas si on a compris ce que j'ai dit. Et ça a l'air mais tellement tellement bon, je veux dire rien que de voir les fruits exotiques là, il m'en a pas fallu plus. Les fruits exotiques et la pêche, abricot, tous ces fruits là dans l'été c'est ce que je préfère parce que je trouve que c'est ce qui a le plus de goût. Ça avec le thé à la menthe c'est souvent ce que je préfère. Fruits rouges et tout, j'adore ça les fruits rouges mais en thé pas trop. Je m'obstine à acheter des thés aux fruits rouges alors que je pense qu'au fond c'est pas mon truc. Parce que ça a trop une acidité et avec de l'eau chaude ça fait ressortir encore plus l'acidité. Et ouais je sais pas, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, dites moi si vous connaissez les thés de la Pagode. J'ai jamais goûté du tout, j'en ai même jamais entendu parler non plus. Donc ça va être l'occasion de tester. Toujours dans les thés de la Pagode, j'ai pris un rooibos. Le rooibos je crois que c'est mon thé préféré. Enfin c'est de la tisane mais je crois que c'est ce que je préfère. C'est hyper rond. C'est facile à boire à toute heure de la journée, du soir, c'est juste le thé facile et qui me déçoit jamais. Parce que ça, ouais, c'est un goût très rond, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas un truc qui gêne dans le rooibos, c'est juste presque fruité déjà en soi. Et là c'est un rooibos gourmand vanille amande. Mais alors ça va être une passion, j'en suis sûre. Voilà à quoi ça ressemble pour celles que ça intéresse. Dites-moi hein, surtout si vous connaissez. Bon on est coupé parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je suis allée recharger 2 secondes mais je pense que ça va recouper. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. En attendant j'ai quand même eu le temps d'aller chercher des gâteaux. Ces gâteaux m'obsèdent. Avant il y en avait dans tous mes retours de course. Les digestifs au chocolat noir. Quand je vous dis qu'en ce moment j'ai du poids en trop et que je fais n'importe quoi, je m'enfile ces paquets de gâteaux mais à une vitesse. Hier je suis passée devant le supermarché, j'ai serré les fesses vraiment pour pas en acheter. J'étais fière de moi, j'ai réussi mais j'en ai encore plein à la maison. Et j'en mange à tous les repas. Non vraiment là ça devient grave. Une autre obsession aussi que j'ai en ce moment c'est les blueberries. On en a plein, elles sont pas très chères. Et elles sont mais hyper bonnes. J'ai grave envie d'en manger là tout de suite mais je vais avoir du noir plein les dents. On continue avec les thés. Bah, je vais rester dans la même marque en fait. J'ai acheté du thé vert aux agrumes. Pourquoi c'est aussi blanc? Est-ce que je peux faire plus sombre? Ouais c'est un peu mieux. Du thé, ouais, du thé vert aux agrumes. Tout simplement, j'aime bien aussi les agrumes dans le thé, ça dépend. Ça dépend, autant je peux adorer, je peux détester, je sais pas si je vais aimer celui-là. Bon, si j'aime pas, je trouverai toujours quelqu'un qui aimera bien. C'est tout pour l'été de la Pagode, j'étais sûre qu'il y en avait 4. C'est pas grave. Un thé que j'ai acheté, mais de beaucoup beaucoup de fois, c'est ma mère qui me l'avait fait découvrir. De la marque Les Jardins de Gaïa, vous savez, alors ceux-là, ils sont dans tous les magasins bio de France, je crois. C'est l'élixir des petits lutins, donc c'est un rooibos aromatisé fraise vanille, ce truc-là. Mais il est hyper bon. C'est le thé... Bah déjà c'est un rooibos, donc comme je vous disais, ah mais c'est encore, ah. Comme je vous disais c'est un peu la petite boisson réconfortante, douce, très facile à boire. Mais alors celui-là, l'élixir des petits lutins, c'est un de mes préférés. Un jour je vous ferai une vidéo revue thé, je crois vraiment hein. Ensuite de chez Clipper, j'ai acheté le thé blanc à la framboise bio. Voilà, je donne encore une chance au thé aux fruits rouges.
J'espère que celui-là va pas me décevoir parce que souvent je trouve ça trop acide et pas très bon. J'espère que là il sera doux en fait, qu'il aura le côté fruit rouge, hein, pas sucré. Bon après je pourrais rajouter du sucre mais juste pas acidulé. Et je trouve que le paquet est hyper beau. Et enfin un thé vert à la mangue, puisque comme je vous disais les fruits exotiques dans le thé c'est ma passion. Et le thé vert j'aime beaucoup le matin. En plus le thé vert c'est plein d'antioxydants, donc ça aide à lutter contre le vieillissement, contre enfin le vieillissement qui est dû justement aux environnements extérieurs, au stress, à plein de choses. D'avoir des antioxydants, que ce soit dans vos produits de beauté ou à l'intérieur de votre corps, c'est hyper important. Et voilà, le thé vert en est bourré, donc je vais me faire une petite cure. Et enfin, le gros craquage thé, vraiment gros craquage, c'est qu'on est allé chez Mariage Frères. J'ai toujours entendu parler de cette enseigne de thé et j'y suis jamais allée. Je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, c'est parce que je passe mon temps à voyager donc je peux pas me trimballer des boîtes de thé. Mais ça y est, maintenant qu'on a une maison, qu'on est posé, je me suis fait plaisir. J'en ai acheté 3. Il y en a un que j'ai pas acheté, que j'ai hyper regretté, et je l'ai acheté à l'aéroport de Paris juste avant de partir, de rentrer en Australie. Alors, tout d'abord, j'ai pris le Earl Grey French Blue qui m'a donné hyper envie. C'était élégant et soyeux aux fleurs bleues. Donc le Earl Grey, ça peut être assez amer, faut faire hyper attention combien de temps on le laisse infuser, comment on le dose et tout. J'en ai un ici dont je suis pas hyper fan, mais je sens le côté bergamote et tout ça qui peut vraiment me plaire dans le Earl Grey si c'était un bon Earl Grey. Donc j'espère que celui-là il sera bon. Et donc les thés Mariage Frères ne sont pas bio, mais enfin peut-être qu'ils ont une gamme bio, après j'en sais rien. Ceux que j'ai choisis sont pas bio, mais j'ai quand même envie. Et surtout les boîtes sont magnifiques, donc ça clairement c'est des boîtes que je vais garder pour la déco parce que je les trouve mais magnifiques. Ça va être des petits pots ensuite dans ma cuisine, je sais déjà exactement ce que je vais en faire. J'ai pris le Wedding Impérial, ça c'est un de leurs best-sellers, ils m'ont dit. C'est celui que je crois que j'avais pas acheté, que j'avais regretté et que j'ai acheté à l'aéroport juste avant de partir. C'est un thé noir au goût chocolaté et caramélisé. J'ai pas du tout l'habitude de boire des thés gourmands, voilà, dans le sens de chocolat et tout. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, je pense quand même que vu leur réputation et tout, je pense que je vais aimer. Même je me disais avec un petit nuage de lait de soja ou de lait d'amande à la vanille ou ce genre de choses, ça peut être hyper bon. Ensuite j'ai pris le thé Casablanca qui me faisait rêver, c'est un thé à la menthe et à la bergamote. Je crois que c'est un mélange de thé vert et noir, un truc comme ça, et ça a l'air mais trop trop bon. Le thé noir c'est pas ce que je préfère, donc je sais pas si vous avez remarqué mais il y a très peu de thé noir dans tout ce que je vous ai montré. Et enfin le rouge pleine lune, alors lui il me fait rêver aussi, c'est un rooibos rouge aux amandes et aux notes fruitées. Je l'ai senti le truc, c'est incroyable, c'est un moitié du gâteau et du bonbon mélangé, sauf que voilà c'est du rooibos quoi, de toute façon... Je pourrais pas être déçue avec le rooibos, je crois. Donc voilà, pour tout mon craquage thé, j'espère que ça vous a plu, ce petit haul improvisé. L'été, c'est vraiment un truc dans lequel j'ai de plus en plus envie d'investir. Surtout quand on veut faire attention à ce qu'on mange et tout, qu'on a envie de se faire des petits plaisirs, mais sans que ça atteigne notre santé. Bah, d'avoir des thés avec plein de goûts différents, ça peut avoir l'impression... Enfin, ça peut nous, voilà, nous amener une variété dans nos goûts, au quotidien, qui fait hyper plaisir. Et qui compense peut-être le fait qu'on s'interdit certains aliments quoi. Même si moi, je suis plus du principe qu'il faut rien s'interdire. Sauf que dans les faits, j'ai beaucoup de mal à... Moi j'ai du mal à me laisser aller un petit peu. Soit c'est tout, soit c'est rien. Voilà, c'est mon caractère, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Et là, tous les jours, toute la journée, je me coinfre de blueberries et de ça. Le pire de... et le pire et le meilleur pour la santé quoi. Bon les gars, je vais aller vous recharger parce que vous êtes en train de clignoter. Je vais peut-être faire à manger pour ce midi, je sais pas ce que Hugo veut manger, je vais voir, je vais essayer de l'appeler. Et puis quand la batterie sera chargée, bah, je vous reprendrai et puis on continuera cette petite journée ensemble. Ça me fait hyper plaisir de vlogger, hyper plaisir de vous parler, d'être un peu plus posée dans la maison. Voilà, j'ai pris 10 jours pour vider des cartons, pour me sentir un peu plus à l'aise avant de recommencer à filmer. Et voilà, je suis très contente. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? J'ai mis la lessive du mauvais côté. Oh. J'ai mis la lessive là où il faut mettre l'adoucissant. Mais non, parce qu'après, la machine, elle va croire que ça, faut le mettre tout à la fin. Et après, nos vêtements, ils vont coller et ils seront pleins. Est-ce que je suis une bonne ménagère? Oui, t'es une bonne ménagère. Bah, on fait ce qu'on peut, hein, on rattrape ces bêtises. C'est quoi? C'est comment la texture? tu veux toucher? Ah, oh, t'as envie de toucher sur ton visage? Ah non, merci. Bon, j'espère que ça va aller. Il y en avait combien là-dedans? Bah, elle a dose qu'il faut pour une machine. Ah. Merde. Ça va, on voit pas que c'est le bordel là déjà. Bah justement. J'avais pas remarqué à... juste avant de l'avoir vu à travers l'appareil. Bah justement là, on va aller chez Bunnings. Explique Hugo ce que c'est Bunnings. Bunnings. C'est un genre de Castorama.
je dirais. Ouais, je crois que c'est ce que, je crois que c'est exactement ce que j'ai dit un jour. Bah c'est ça en fait, c'est le roi Merlin quoi. Ouais, on va aller acheter de quoi faire un enclos pour Charlot. On va faire ça maintenant et après sur le retour on va acheter... Ah merde. Ah, t'as mis l'adoucissant du mauvais côté maintenant. Mais tu me perturbes. Ah mais je suis vraiment nulle en fait. Mais, c'est, non, quand, c'est pas grave. C'est quand qu'on prend une femme de ménage ou un homme de ménage. Je sais pas. On en a bien besoin. Bon, c'est parti. C'est parti. Let's go! Woohoo! Non, c'est juste une machine en fait. Ah, d'accord. Qu'est-ce... Pourquoi tu ris? Mais il a perdu les clés. Ah non. Mince! J'ai posé mes affaires par terre et puis il a fait tout le tour comme ça là. Avec son nez comme ça. Avec ses petits poils hérissés. Enfin, ses plumes de tête quoi, ses poils. Bon, allez. Bah, ouais, on va t'acheter une maison, Charlot. Allez, viens. On peut pas se laisser rentrer. Bah oui, mais on doit partir. À tout à l'heure, Charlot. On revient, mon bébé. On t'ouvrira encore tout à l'heure. C'est fou comme il fait beau et chaud aujourd'hui. C'est ouais, trop bien. Regarde la vitesse à laquelle il se déplace, le nuage avec le vent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est complètement fou. Tu crois qu'il se dit ça? Ouais. C'est vrai qu'il est tout seul là. S'il essaie de rattraper ses copains qui sont là-bas. Ah oui, évidemment. Et en fait, petit changement de programme, on a vu qu'il y avait un petit marché. Donc on va aller faire un tour au marché et puis bah, je vous emmène avec moi parce que je sais que vous aimez bien voir des trucs de l'Australie. Mais ils me disent ces derniers temps qu'ils aiment bien quand je montre des trucs... d'autres quoi, enfin à l'extérieur. Mmh. Allez, c'est parti. Déjà, ils sont en plein soleil. Hugo, il y a des antiquités des années 90. Ah oui. C'est bizarre, il y a plein de trucs par terre. Ah ouais. Franchement, pour ce que c'est pas bio en fait. Qu'est-ce qui m'intéresse pas? Bah ça dépend c'est combien, si c'est 5 balles oui. Si c'est 40 parce que c'est une antiquité, non? Combien? 45. 45? Et j'ai dit combien moi? Si c'est 5 balles oui, c'est 40 non. Ah c'est 45, ah bah tu vois. Non mais tu vois, pas exagéré. J'ai bien envie de ça. Petit condiment de tomate. Moi, c'est comme un rougail quoi. Ah, comme un rougail, on peut manger avec tout. Moi c'est le miel qui me tente bien. Ouais c'est vrai qu'il est là bon. Il y a un appareil pour retirer de l'argent en plein milieu du marché, c'est fou. Ben ouais mais c'est marrant, en plein milieu comme ça. Une fille que je connais très très bien. D'accord. Donc ça fait 4 ans. Ça a commencé, ça fait 4 ans que j'y vais. Ah des plantes. On va manger notre salade cette semaine là et puis... Non mais parce que, oui c'est ça, on se rappelle, et c'était moins cher ici les plantes, on s'était dit, tu te rappelles? D'un fois on était passé devant, on s'était dit, ah mais c'est moins cher que ce qu'on a acheté, 4 pots pour 15$, regarde tout ce qu'il y a, et ils sont déjà bien poussés, tu vois. Ouais mais il faut les rempoter en fait. Mmh. Miam. Bon, je sais pas si vous aurez pu entendre ou comprendre tout ce que vous avez vu. C'est bizarre les marchés en Australie, on vous en avait déjà parlé. Mais c'est pas du tout comme en France où ce serait que de la nourriture. Déjà, il y a très peu de fruits et légumes en vrac, alors que nous, c'est ce qu'on trouve principalement au marché en France. Mm-hmm. Là, il y a beaucoup de brocantes, d'antiquités. Il y a plus de choses comme ça en fait que de nourriture. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Les marchés ici, on a été hyper déçus au début. Bon, bah maintenant, on y va pour ce que c'est. On ne s'attend pas à trouver des choses qu'on n'y trouve pas. On ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, c'est bizarre. Et c'est vrai que moi, les marchés de La Réunion me manquent beaucoup. À La Réunion, il y a énormément de fruits et légumes. C'est frais, c'est hyper bon. Il y a plein de choix. Et il y a aussi plein de plats préparés qui sont trop, trop bons. Là, il y a quand même des plats préparés, je trouve sympa. Ça va, franchement. Ce marché-là, il est bien, ils sont pas tous aussi bien que celui-là. Non.
Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous avez vu, parce qu'entre l'ombre des étalages, la lumière, je sais pas si on voyait très bien, il y a aussi des plantes en pot, et d'ailleurs on reviendra pour se faire un petit stock d'herbes aromatiques, pour l'instant on en a déjà pas mal. Mm-hmm. Hugo il mange un petit pain au chocolat, je vous ai filmé, on achète toujours au même, c'est un boulanger français qui vient de Sydney, qui fait les marchés dans le coin, et on lui achète toujours des trucs et il nous fait des prix, ça nous coûtait presque 30 balles, il nous a fait payer que 22$, donc c'est vraiment très sympa, c'est très cher hein, pour de la viennoiserie ici, mais en même temps c'est les prix, c'est comme ça. Oui c'est cher. Et puis là on va aller chez Bunnings, donc comme on vous disait on a quelques trucs à acheter, notamment pour faire l'enclos de Charlot, et ensuite on va manger quelque part ou acheter un truc à manger. À tout. Hugo, tu nous fais le slogan Bunnings Wells. Ouais. Non, c'est juste de bagging. Ouais. Ah, y a un truc avant, non? Je sais plus. Qu'est-ce que c'est cher? Qu'est-ce qu'on dépense de l'argent pour notre bébé canard? Ouais, on va prendre un grillage comme ça pour lui faire un enclos. C'est vrai que lui est plus haut, mais ça va pas être trop moche dans le jardin, justement. Tu sais, ça suffit, hein. Ah oui, c'est sa tête. Non, mais franchement, Hugo, ça, ce sera moins moche. Il passera pas au-dessus, hein. C'est ça qui compte. Ce qui nous importe, c'est qu'il aille pas sur la route, en fait, ou dans les champs des voisins. Ça suffira. Je sens qu'on n'est pas parti. Moi je suis une youtubeuse beauté, mais ça ne m'empêche pas d'aller acheter du fumier comme tout le monde. On prend celui-ci ? D'accord. Moi j'aime l'océan et en tant que fan qui se respecte, je me promène toujours avec des accessoires dans le thème. Il y a des gens derrière qui regardent. En fait, on va faire une piscine à Charlot, c'est notre rêve depuis qu'on a Charlot, c'est de lui faire une piscine. Il a jamais nagé alors que les canards ils adorent ça, se tremper sous l'eau, la tête et tout. Il va enfin pouvoir. Il va être trop content, ça se trouve, il en aura rien à faire. Chou, tu ressembles à une grosse tortue vue d'ici. On voit juste des petites pattes qui dépassent. Ah, te mets pas sur le dos, tu pourras plus te relever. Ah, je suis maître Whale. Non, ou t'es tortue géniale. Ah, c'est génial, c'est une tortue. Allez. Les grimaces, c'est obligé. Tu ressens trop une petite tortue de dos quand tu marches, c'est trop mignon. C'est quoi la citation de Maître Gouaï? Le présent est un... Alors, hier est derrière, demain est incertain, et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. C'est vrai qu'elle est belle cette citation. Hugo il est fan de Kung Fu Panda. C'est son dessin animé préféré, mais c'est vrai qu'elle est... C'est vrai que c'est trop bien. Après il enterre une pêche et il meurt. Après quoi? Après il enterre une pêche et il meurt. C'est vrai en plus. Ça casse le mythe d'un coup. Il disparaît dans des pétales. Ah oui c'est vrai. Mais il enterre une pêche. Oui c'est vrai. Bon, en fait c'est ça la moins chère. Ah, on revient à la réalité d'un coup. Ah c'est vraiment la moins chère? Bon bah voilà hein. Toutes les autres sont... C'est vrai que 75 balles pour une rallonge, faut peut-être pas... Les mecs se touchent quoi. En fait... Ah non, 13 balles. Ah ouais, mais c'est qu'elle est pas aussi longue. Ah oui. C'est assez long ça? Bah 25 mètres. J'ai dit ça en filmant, c'est pas trop si je filme ton pantalon ou... c'est un peu... Ah, mon sexe, c'est un peu glauque. Mon pénis. Arrête. Ah, au secours. Hugo, regarde ce que je viens de trouver. Ah, tu casses tout. La honte. Oh. C'est une lumière? Ouais, j'en veux un. Pourquoi? Prends le bleu. Hein. Non, bon d'accord, mais prends le bleu. Ouais, c'est 15 balles. Ouais, mais c'est une veilleuse. C'est vachement bien. Même le blanc. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a peur du noir. Bah oui, moi j'ai peur du noir en plus. Et on se moque pas des gens qui ont peur du noir. C'est une vraie peur. Ah, par contre, ça marche pas. Après, j'ai trouvé un meilleur moyen pour le tenir. Comme ça, j'ai fini. Montre. Mais ça a l'air pratique. Allez. Allez, à bientôt. Encore une affaire rondement menée. Tout à fait. Mais tout à fait. Tout à fait. Ça se sait, ça se sait. Ou punaise, ça rentre juste. Hugo est en train de ramener le caddie au marché. On a acheté 4 pains au chocolat, mais Hugo en a déjà mangé un croissant aux amandes et une part de brownie d'un mec qui fait des gâteaux. Ça fait un an qu'il s'est lancé sur le marché. On n'arrive pas à savoir s'il en vit vraiment et tout, mais en tout cas voilà, on lui a pris une part de brownie et puis le reste c'est de la viennoiserie du boulanger français. On va en mettre un petit peu au congèle et moi le croissant aux amandes ce sera pour mon goûter. Nos petites emplettes.
Quoi, nos petites emplettes? Et ben, on a fait des petites emplettes. Ouais, c'est vrai. On a tout fait. Bon, écoutez, on a été hyper efficace, hyper productif. Il fait hyper chaud, maintenant je me suis mis en t-shirt. Il faut que j'arrête de dire le mot hyper. On est allé vite, on est allé droit au but. On avait une liste, on a respecté exactement notre liste. C'est trop bien. Et même la... Et même la piscine pour Charlot, on pensait pas du tout trouver. Et comme l'été arrive, ils vendent des trucs comme ça pour les enfants. Elle coûtait que 12$, donc c'est vraiment pas cher. Et donc dès qu'il va pleuvoir, on va la sortir pour qu'elle se remplisse d'eau et tout. Et il va être trop content, je pense. Enfin, j'espère. Je disais à Hugo que ça me fait rire dans les magasins où les couples en général se disputent, sont pas d'accord et tout. Bon, ce qui peut nous arriver aussi, mais bon. Et ben nous, on se faisait des câlins, on arrêtait pas de rigoler, de faire les imbéciles. On est une bonne équipe, nous. Voilà. On n'a pas le temps, nous, de pas être d'accord. On n'a pas le temps de se disputer. On n'a pas le temps de se disputer. Eh ben alors, c'est nous, c'est pas nous. Oh, mais c'est nous. Oh là là, mais on est vraiment des dingues. On change d'avis à la dernière minute. On est, parti pour s'acheter à manger et Hugo, il a tourné dans une rue au dernier moment parce qu'il y avait un panneau qui disait garage sale. On est vraiment des fous. Ah ouais, il y a encore le panneau là. Ah donc en fait, on va chez les gens. Ah voilà. Attends, je filme. On va chez les gens parce qu'ils vendent des trucs dans leur jardin. On va voir s'ils ont des pots de fleurs ouais, à vendre. En plus, on a du liquide pour une fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, allez. Qu'est-ce que t'as dit? Je dis qu'en fait, on dirait pas, mais une fois qu'on est derrière, c'est trop bien. Mais ouais, regarde. Il y a le petit jardin, il est trop mignon. Il est un peu sauvage, moi, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Il est pas trop cadré. Ah, il y a des petits meubles et tout. Ah, Hugo, il y a une pelle, Ah, c'est tout ça. Donc. T'en veux une? Plus ça. C'est combien? Je sais pas. La vieille échelle pour aller cueillir les pommes, t'as vu? Ce jardin, il est hyper mignon. Trop rigolo de tomber là-dessus. Que des vieilles recettes françaises. C'est trop rigolo, c'est tout en français. Je le veux bien, moi, ce livre. Peut-être un prix dessus. Ouais, les meubles. C'est une ambiance particulière, il y a tout qui est collé les uns aux autres. Plein de choses, c'est un fourbi, mais avec une ambiance. À la brocante que les gens ils faisaient chez eux, j'ai trouvé ce petit pot hyper kitsch en coquillage bleu ciel. Et en fait, je me suis dit que ça serait bien pour mettre nos clés, ou alors je m'en servirais pour mettre mes bagues, voilà, sur ma coiffeuse, pour mettre mes bijoux et tout. Je sais, c'est très kitsch, mais franchement, moi, j'adore. On a aussi trouvé un moule à madeleine et il est de hyper bonne qualité. Il est hyper lourd, en fait, et il était à 5$. Et Hugo, il s'est trouvé aussi trois beaux outils qui étaient qu'à 5$ chacun, alors qu'en magasin, la marque la plus nulle, les trucs les plus fragiles, les moins bonnes qualités, c'est tout de suite 40$. Donc franchement, on était hyper contents. Ça, c'est une belle économie. Sinon, au marché, on a acheté ça à un vieux monsieur. C'est en fait comme des chutneys, je sais pas si vous connaissez. C'est un truc qui est mi-sucré, mi-salé, mi-pimenté. Et puis c'est un espèce de condiment qui peut se manger soit en tartine, soit mélangé à d'autres ingrédients, soit bon, en fait on en fait un peu ce qu'on veut. Donc on a pris poivron et aubergine grillée. Et Hugo, il a pris aussi un chutney de figues. Donc voilà, ce sera mi-sucré, mi-salé. Et ça peut être délicieux par exemple sur du pain grillé avec du fromage ou de ce genre de choses. C'est délicieux. C'est artisanal au moins, c'est un petit monsieur qui faisait ça et j'espère que ça sera bon. Il y a un vent à décorner les bœufs. Donc voilà pour tous nos petits achats de ce matin. On est allé à Bunnings comme vous avez vu. On a acheté tout ce qu'il faut pour Charlot, pour fabriquer l'enclos de Charlot. Et puis c'était génial sur le chemin du retour. Mais je crois que je vous ai déjà expliqué tout ça. En fait, c'est compliqué quand on vlog. Perso, je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Mais en fait, on était en train de rentrer à la maison et on a vu un panneau garage sale. Donc dans ce cas-là, c'est quand les gens par exemple déménagent et veulent vider toute leur maison, veulent tout vendre. On s'est arrêté et c'était des gens français, enfin la dame était australienne et le monsieur était français, donc c'était rigolo. Ils avaient des livres de cuisine en français hyper vieillots, plein de trucs français, des décorations, des meubles et tout ça. Et puis on voulait des trucs, il y avait des trucs hyper, enfin qui nous plaisaient, mais c'était beaucoup trop cher à en trouver pour ce que c'était, pour des meubles quand même hyper abîmé et pas ouf non plus. Enfin on trouvait ça trop cher, donc on a juste pris les petits trucs que je vous ai montrés. Et en fait, entre ça, le marché, tout, en fait, on passait une super matinée et on se disait que quand on fait plein de choses, on a l'impression que la journée dure beaucoup plus longtemps. Là, on est encore à midi, enfin, il doit être 14h et j'ai l'impression d'avoir fait 1000 choses aujourd'hui. Et Hugo, pareil, il a pas l'impression qu'il a bossé ce matin, tellement que depuis, on fait des choses, on se sent un peu en week-end, en fait, il fait beau, on se balade et tout, c'est trop cool. Là, il est en train de se doucher, il va ensuite aller se coucher, je pense, il va faire une sieste. Moi, pendant ce temps, je vais faire du montage
pour ma chaîne. Et puis bah, je vous retrouve un peu plus tard. Dites-moi si ça vous plaît toujours quand je vous emmène comme ça à l'extérieur. Bon, les marchés, je vais pas vous emmener à chaque fois honnêtement parce que c'est toujours la même chose. C'est plus des brocantes et tout. Et puis finalement, on y va très rarement. C'est pour ça qu'on y va, on fait le plein de pain au chocolat du petit boulanger français. Je pense que là, on va se faire un thé. Bon, Hugo va dormir et après, peut-être qu'on regardera un film ou un truc comme ça. Bon, de toute façon, je vous reparle plus tard. À tout. Bon, c'est l'heure du goûter. Hugo est réveillé de sa petite sieste et on se cherche un thé pour le goûter. Est-ce que ça te dit qu'on goûte les thés de la pagode, le thé blanc aux fruits exotiques? Allez, je croyais que t'avais envie d'un thé vert. Ouais, mais en fait, celui-là, il me donne bien envie. Okay. Bon, allez, on se lance. Dégustation. 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 Tiens, Hugo, sens ça. Ah, ça sent bon, hein? Ça sent les fruits? Mmh. C'est ça qu'on boit? Ouais! Ou qu'on renverse par terre? Merde! Ah, mais moi j'ai pas... j'avais cru que c'est ce que tu voulais! Ah non, mais on s'est mal compris! Ah, désolé! Bah oui, moi je fais ce que... t'avais compris, par terre! Oui, moi je fais ce que tu me demandes! Quel culot! Et qui c'est qui est prêt pour l'heure du goûter? C'est nous! Ça c'est le petit brownie qu'on a acheté au marché ce matin. Enfin tout ça on a acheté au marché. On va se régaler. J'ai trop hâte que tu me dises ce que tu penses du thé. Vas-y, fais-nous une dégustation. Je vais pas me brûler. Bah si, pourquoi? Il est bon. Il a vraiment du goût ou bof? C'est du thé quoi. C'est pas ouf. Bon, je vous dirai moi ce que j'en pense. Non, il est bon, j'ai déjà l'impression d'avoir goûté un truc comme ça. Non, il est très bon. Voilà le setup du moment, on est là tous les deux. En ce moment, ça c'est notre petit rituel du week-end. On se met dans le canapé, blottis tous les deux. Et puis on regarde un film ou quoi. Le jour on a regardé Toy Story. Toy Story 4. Toy Story 4, c'était trop bien. C'était bien. Ouais, et puis tous les samedis, on se fait un petit film. Comme ça, c'est notre nouveau petit rituel. Oui, oui. C'est trop bien. Ouais, c'est bien. Parce qu'en fait, dans l'ancienne maison, on pouvait pas faire ça. Puisque dans le... là où il y avait le canapé, il y avait pas de... enfin, internet, ça captait pas. Et comme là, pour l'instant, on a internet sur des clés USB, on peut se mettre d'où on veut. Mais oui. Mais oui. Mais enfin... Ah, tu vas être chez nous? Ouais. Bon, les amis, je vais aller me doucher. Je vais vous dire au revoir. On a passé un très bon moment dans le canapé. Je crois que c'est pas fini. En fait, là, c'est le coucher du soleil. Depuis que je suis rentrée de France, je crois que j'ai fait une fois un masque et puis c'est tout. J'en fais pas du tout assez alors que j'en ai plein. Je pense notamment aux masques en tissu comme ça. Pourquoi c'est blanc? Alors que derrière c'est pas blanc, je ne comprends pas. Ah, j'ai des crampes au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, les couleurs sont normales maintenant. Donc je vais me doucher, ensuite je vais me faire un petit masque comme ça devant la télé. Je sais pas, enfin la télé, on n'a pas la télé, mais devant un ordi. Je sais pas ce qu'on va regarder comme. Je pense qu'on va se lancer dans une nouvelle série maintenant. Peut-être Marianne. Il paraît que ça fait hyper peur, mais j'ai bien envie de me lancer dans une série française. On va regarder le coucher de soleil, on va grignoter un petit peu ce soir, peut-être en regardant Kaamelott et tout. En fait, le samedi, souvent on est assez crevés tous les deux, et donc on aime bien en fin de journée, comme ça on est plutôt productif le matin, l'après-midi, et puis après on se repose en fin d'après-midi, en soirée. Et voilà. Oh, il y a des broquets magnifiques. Personne n'a dit que les vlogs devaient durer forcément 50 minutes. D'ailleurs, peut-être que ce vlog dure déjà 50 minutes. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas envie d'essayer de faire traîner en longueur, de vous montrer encore des trucs. J'ai plus rien à vous montrer, j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog tout simple, une petite journée avec nous, vous a plu. Et puis, dans le prochain vlog, je vous montrerai l'enclos de Charlot. Puisque finalement, il y avait tellement de vent aujourd'hui qu'on n'a pas pu le faire. Et j'espère qu'on pourra le faire demain. Je crois qu'ils annoncent encore du vent, peut-être la semaine prochaine. De toute façon, je vous le montrerai quand il sera terminé dans un prochain vlog. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!